Mac. Bonjour. Alors, qu'avez-vous à nous raconter au sujet de J? Avant de me confier, est-ce que ça serait possible d'avoir une barre noire sur les yeux? Absolument. Merci. Ça, c'est... Ça s'est passé dans un party. J et moi avons frenché toute la soirée et il a promis de me rappeler le lendemain. Mais il l'a pas fait. Quoi? Voyez, si J est même pas capable de tenir sa promesse de rappeler cette belle jeune fille-là, croyez-vous qu'il va être capable d'en tenir des plus compliqués comme bâtir un parc de glissades d'eau? Visiblement pas. De toute ma carrière, j'ai jamais entendu une histoire si flagrante de politicien qui tient pas ses promesses. Mais là, le fou, le Julie, avec un Y. Êtes-vous certaine à 100% que votre Frencheur sans cœur était bel et bien J, l'aspirante députée président? Oh oui! Il faisait pas encore de la politique, mais il m'a fait croire qu'il était un joueur des Alouettes de Montréal. Quoi? Il a aussi dit qu'il avait escaladé l'Everest en pogoball, que dans son autre vie, il était Sidney Crosby, puis qu'il avait été 3 fois reine du carnaval de Rawdon. Incroyable! Et vous l'aurez appris en primeur à Primeur Politique.